baiser. Vous êtes donc un refuge merveilleux. Tu vas sauter, gars! Je me vengerai, je le jure. Au secours, qu'est-ce qui se passe? Au secours, il m'a détenu, Sharon. Qui êtes-vous? On m'appelle le poète crotté. D'abord parce que les mots ne nourrissent pas leur homme, et puis parce qu'on veut salir ce que l'on craint. On a voulu tout s'offrir, le châtelain et le château. Je voulais vous aider. Je n'ai pas besoin d'aide. Surtout d'une femme, d'une apparence de femme. Car vous n'avez rien de féminin, vous êtes dure, prétentieuse, acharnée, calculatrice, près de vos sous. L'argent a tout pouvoir, mais pas sur moi. La vie n'est pas une plaisanterie, ma petite dame. Une maison, c'est comme une forteresse qu'il faut défendre. Pas bouger de qui. Je ne veux plus vous entendre. Vous ne mettrez pas à la porte un collecteur principal des impôts. Collecteur, quel mot? Madame, vous avez 12 000 livres à payer. Je ne les paierai pas. Vous discutez. Je ne discute pas, je refuse, c'est clair. Tu ne changeras donc jamais. Jamais. Je suis comme j'étais à Monteloup. À Monteloup, tu étais vive, gaie. J'étais amoureux de toi. À Plessis-Bélière, tu m'as embrassée pour la première fois. Et après? Ça ne compte pas pour toi? Ne mélange pas tout. Les sentiments, les souvenirs, hier et aujourd'hui, pour moi, c'est demain qui compte. Je sais que vous mourrez d'envie d'aller à la cour. Je sais ce qui vous tracasse. Apprenez-le-moi. C'est un problème trop grave pour moi.